Salut, salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des crypto-monnaies dont le prix dépasse largement le prix du Bitcoin. Et comment faire pour trouver ces crypto-monnaies dont le prix dépasse le prix actuel du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie mère. Alors, sans plus tarder, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et donne un j'aime à cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, il y a plusieurs personnes. Si vous n'êtes pas dans ce group Telegram, ici, dans ce groupe Telegram, je laisse en dessous de cette vidéo le lien de notre groupe Telegram. Depuis hier, les gens disaient que oui, il y a des crypto-monnaies qui dépassent le prix du Bitcoin. Oui, ça existe. Elles existent bel et bien. Je vais vous montrer comment faire pour voir ces crypto-monnaies-là. Et si vous ne voyez pas ces crypto-monnaies-là, là où je vais vous montrer, ça veut dire clairement que ces crypto-monnaies qui dépassent le prix du Bitcoin sur d'autres plateformes ne sont pas des crypto-monnaies décentralisées. Donc peut-être c'est une arnaque organisée derrière. Je vous explique dans la vidéo. Alors, supposons que tout le monde connaît CoinMarketCap. Je vais montrer ça rapidement. Tout le monde connaît CoinMarketCap, le site de cotation où nous voyons le prix de toutes les crypto-monnaies. Pour voir le prix des crypto-monnaies qui dépassent le Bitcoin, vous allez venir appuyer ici sur filtrer, ici. Vous voyez, non? Vous appuyez sur filtrer et là, ça va vous demander des informations. Il vous appuyez ici more, c'est-à-dire que plus d'informations pour filtrer. Et là, vous venez là-dessus, ici. Au niveau du prix, vous faites ça. Vous appuyez sur prix. Maintenant, vous mettez le prix de Bitcoin à 46 000 dollars. Vous voyez ici, 46 000 dollars. Supposons, je vais mettre 47 000 dollars. 47 000 dollars. À combien? À 100 000 dollars. Pour voir les crypto-monnaies qui sont dans cet intervalle. Est-ce que ça existe réellement? Ça te dit, est-ce que tu es sûr? Tu appuies encore. Tu es sûr de voir le résultat. D'accord? Alors, on monte. Regardez déjà une crypto-monnaie ici. Regarde cette crypto-monnaie. Elle est à combien? 93 445 dollars. Vous avez vu? Alors, souvent, quand vous voyez ça, revenez ici pour voir. Elle s'appelle SOC. Je vais aller sur notre site de cotation, taper ça, voir. SOC, voilà, c'est ça ici. Et on va voir le prix. Si vraiment ce que CoinMarketCap montre, c'est le même, voilà. 93 400. Et c'est une crypto-monnaie. Mais souvent, ces gens de crypto-monnaie, le volume est très faible. Parce que c'est difficile. Un de ces crypto-monnaies vaut presque 2 bitcoins. 2 bitcoins. Vous voyez? Alors, allons-y. Continuons notre recherche. Regardez, il y a 42 coins qui vaut 84 000 dollars. 42 coins. Donc, pour vous dire que ça existe, les crypto-monnaies qui dépassent 42 coins. Voilà, ici, sur CoinGecko. 42 coins, vous allez voir. 84 000. Voilà. Le volume journalier 24 dollars, elle est listée aussi sur les échangeurs. Si vous appuyez sur marque, vous allez voir, elle est listée sur les échangeurs. Vous voyez, non? Elle est listée sur cet échangeur. Et Phoenix Box. Allons-y. Une autre crypto-monnaie, 51 000 dollars. Voilà. Regardez, prenons cette crypto-monnaie, NFTX. 92 000 dollars. NFTX. Donc, NFTX. Pour vous dire clairement et simplement qu'il y a des crypto-monnaies qui dépassent le prix du Bitcoin. Non, non, ici le prix est différent. Un instant. C'est pourquoi vous devez. Non, alors, le sigle c'est GLY. Ah, excusez-moi. GLY. Je ne sais pas même si elle est listée sur CoinGecko. Je crois bien que c'est ça. Voilà. Alors, donc, vous allez voir clairement que. Et il y a des crypto-monnaies qui dépassent le prix du Bitcoin, 92 000 dollars dans 2 bitcoins. Voilà le volume journalier, 54 dollars. Donc, c'est des crypto-monnaies qui existent bel et bien. Elles existent bel et bien, mais c'est des crypto-monnaies qui sont, excusez-moi le terme, sans volume. Donc, si vous voulez voir une vraie crypto-monnaie qui dépasse le prix du Bitcoin, faites ce que je vous ai dit, vous filtrez, vous voyez le prix. Mais si vous ne voyez pas ça ici, alors, la deuxième possibilité, c'est que vous êtes sur une crypto-monnaie, pas une crypto-monnaie. C'est-à-dire que
une plateforme créée par un groupe de personnes vous faisant croire que le prix de la crypto-monnaie est tel prix. Hein? Mais ils ne sont pas ici parce que si c'est sur un site de cotation, ça veut dire simplement et purement que elle utilise les apps des échangeurs qui sont listés sur le site de cotation. Et tout montre du moins la transparence sur l'offre et la demande. L'offre et la demande. Parce que les API poussent les informations du book. Je ne vais pas rentrer en détail en ce sens-là. Donc, vous avez vu comment vous pouvez chercher des crypto-monnaies dont le prix dépasse le Bitcoin. Elles existent bel et bien. Mais si elles ne sont pas ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur un site de cotation, et on vous montre un autre site de cotation qui a été créé encore souvent par les mêmes structures pour vous faire quoi? Souvent, c'est les crypto-monnaies type... Bon, je ne vais pas donner le nom ici. Vous savez déjà. Alors, donnez j'aime à la vidéo et on se dit au prochain, à la prochaine vidéo. Ciao. Et laissez un commentaire en bas de la vidéo si maintenant vous avez vu comment chercher les crypto-monnaies qui dépassent le prix du Bitcoin et voir réellement si c'est des vrais cryptos. Parce qu'il y a des fausses cryptos qui disent qu'ils dépassent le Bitcoin, mais réellement... Ce n'est pas des cryptos. C'est un système d'arnaque construit derrière pour vous dépouiller. Donc, beaucoup de vigilance. À la prochaine vidéo et ciao.